Oui, on peut ne pas avoir fait ce qui doit être fait pour ramener la mémoire de la raison même de notre venue sur la Terre. Il est évident qu'on peut être à côté, le savoir, le pressentir. Tout dit à l'intérieur de nous que c'est vers là que l'on doit aller, mais ce qui arrive très fréquemment, c'est que l'idée conceptuelle et l'éducation du monde extérieur te donnera comme réponse, tu ne peux pas, tu as une maison à payer, tu as une famille à t'occuper, tu dois payer les études à tes enfants. Et en fait, souvent et très souvent, c'est ce langage, ce monde, cette personnalité, ce côté existentiel sur la Terre qui finalement est un peu le leader dans les décisions de ta vie. Mais pourtant, tu le sais que c'est autre chose. Et oui, tu peux passer à côté. Comment ne pas rater ou ne pas complètement passer à côté de sa mission d'âme? Également, ce que je vais enseigner dans cette première année, c'est qu'en fait, il y a des priorités, il y a qu'est-ce qu'on alimente, qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller. Et bien sûr, quand on a une vie sur la Terre, c'est pour aussi y vivre correctement et que justement tout ce que tu poses dans ta vie soit plus léger pour consacrer beaucoup plus de temps à ta vie intérieure. Et la vie extérieure, c'est une école. Tu apprends beaucoup de choses, tu apprends la réalité sur la relation avec les autres, aussi tes capacités d'agir. Je veux dire que non, il ne faut pas la fuir, la réalité, bien au contraire. Et si tu es justement dans le concret et que tu es en activité encore dans ta vie, profite de ces moments-là pour évaluer ton travail intérieur avec l'impact que ça peut avoir dans ton côté social, travail, familial et toutes tes choses qui sont en place aujourd'hui dans ta vie. Donc au contraire, profite de ces moments-là parce que tu es dans la vraie école de la vie. En fait, on n'est jamais pas dans sa mission de vie parce que même si on ne fait pas comme cela devrait être fait, des fois on fait les choses qui est l'impulsion de l'orientation de notre vie. Je m'explique. En fait, bien souvent, on entend des informations, on ressent des informations, et au lieu d'écouter l'épanouissement total de son être, on va écouter les circonstances extérieures. Et par exemple, je donne quelque chose de basique, quelqu'un qui est profondément un artiste, qui a par exemple le don de créer et qui, dans sa mission de vie et d'âme, doit pouvoir amener la beauté des mondes subtils, eh bien, des fois, tu vas le retrouver sur Internet à faire des croquis pour une entreprise. Il n'est pas loin de sa mission parce qu'il développe son potentiel et sa qualité. Mais en fait, et au lieu de s'écouter ses aspirations, ce qu'il a envie de vivre, ce qui lui parle, sa personnalité va lui dire ça, garde-le, puisque c'est un bon potentiel qui va te faire avancer, mais fais-le pour ça, c'est-à-dire pour la Terre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'en fait, il s'enchaîne dans des systèmes où il sera redevable, où il fera ce qu'on lui dit, et il sera enchaîné par un salaire ou quelque chose qui le tiendra à rester ici. Et du coup, faisant quand même son expression intérieure, manifestant quand même quelque chose qui est de lui, eh bien, il n'a pas l'impression d'être totalement à côté de sa vie. Le seul problème, c'est que ce chemin n'aboutira à rien, puisque quand il partira, tout ça sera jeté, puisqu'il n'a pas travaillé pour lui, il a travaillé pour quelqu'un d'autre. Donc, on peut, tu vois, être à côté de sa mission d'âme, mais on ne l'est pas toujours vraiment à côté, c'est l'interprétation de comment on doit la mettre en œuvre dans sa vie. Mais ça arrive quand même qu'on ait fermé toutes les portes et qu'on n'a écouté que la raison. Notre mission peut-elle être liée ou dépendre de celle de quelqu'un d'autre? À la base, c'est notre mission d'âme. Qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, c'est possible. Qu'il y ait une rencontre à un moment donné extérieur et que cela doit être une main prise pour continuer le chemin, oui, mais la mission d'âme, elle est personnelle uniquement. C'est toi qui dois faire les pas éventuellement pour aller rencontrer l'autre. Mais c'est toi, c'est ta mission et c'est à toi de le faire. Si je suis une femme ou si je suis un homme,
Qu'est-ce que cela implique dans ma mission? Est-ce qu'il y a une importance dans le genre qu'on incarne sur la Terre? La mission d'âme ne dépend pas de notre genre. Notre genre est un moyen nécessaire pour réaliser notre mission d'âme. Si tu es une femme, en apparence, tu es une femme. Mais tu n'es pas qu'une femme. Tu as toutes les connexions subtiles du principe féminin. Tu as la construction de tes centres de perception, de tes affinités avec des mondes, avec des mémoires qui sont liées au principe féminin. Et en fait, tu vas être impulsé dans ta vie à aller essentiellement dans ces régions et dans cette mémoire de principe féminin pour être alimenté, recevoir les enseignements. Tu sais, on parlait l'autre jour du sixième sens de la femme. Eh bien, le sixième sens, on l'attribue à la femme. Quand je parle du sixième sens, c'est l'instinct de pressentir, tu vois. Eh bien, c'est que quand tu as un corps de femme, tu bénéficies aussi de toutes les mémoires des femmes qui ont passé avant toi et qui ont œuvré et qui transmettent leur mémoire à ton principe. Et donc, c'est le moyen incontournable qui doit être exploité pour incarner ta mission d'âme. Est-ce que tu peux nous dire quel type de mission il existe? Et aussi, est-ce que tout le monde est destiné à avoir des missions grandioses qui impactent tout le monde? Ou alors, est-ce que ça peut rester très simple? Oui, ça peut même être une chose très simple. Tout dépend de l'évolution de la personne, où elle en est dans son grand parcours de vie éternelle. Vraiment, sur la Terre, on peut le constater, chacun a des niveaux différents de la compréhension de la vie et de ce qu'on peut en faire. Plus tu es une âme ou un être qui est, comme on appelle, une vieille âme, plus tu as compris la vie et plus tu es sur la fin des choses basiques de la vie sur la Terre où tu as compris, tu as acquis et en fait tu n'as plus à faire ces petites choses, style un karma familial, tu vois, des choses comme ça. Tu fais des choses plus grandes qui vont avoir un impact plus important. C'est normal, c'est comme ça dans la vie. Et c'est une loi de la vie. Quand tu as la capacité d'être un chef d'entreprise, eh bien, ton œuvre va être collective. Quand tu es une vieille âme, ton œuvre est collective. Donc, on peut avoir des tas et des tas de missions. Ça peut tout simplement être se réconcilier avec un principe féminin ou un principe masculin ou régler la jalousie. Tu vois, ça peut être mettre beaucoup d'enfants au monde pour régler des choses qui auraient été mal faites dans d'autres vies. C'est tellement différent. On ne peut même pas dire, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose de bien ou de pas bien, de grand ou de pas grand. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il a à faire en fonction de ce qu'il est. Toute œuvre est une victoire pour son âme éternelle. L'œuvre va être le corps créé qui va inclure la réalité de la Terre, un siège pour que les mondes subtils puissent participer, influencer et amener des énergies, et des alliances avec un monde supérieur où, par exemple, les anges vont pouvoir avoir un terrain dans cette œuvre pour pouvoir impulser, inspirer le chef d'orchestre que nous sommes et pouvoir faire avancer cette œuvre dans la direction plus haute des vertus, des lois, des principes. L'œuvre est un peu le rassemblement ou le lieu extérieur, ce qui est posé, incarné, eh bien, il faut arriver à ce que ce monde puisse vivre en dehors du temporel. C'est-à-dire, bien sûr que tu as mis en forme, tu as fait ta part, tu as associé les mondes subtils, donc ça respire et ça s'impacte dans un monde plus subtil, comme une ambiance, quelque chose. Et il y a une mémoire qui reste de toi, de ton lien avec l'être que tu es, quand tu as une alliance avec un ange ou un monde supérieur, où eux peuvent passer ce langage à cet endroit-là. Et toi, si tu l'entends et que tu es sage, tu accomplis les missions, les œuvres, les extensions qui doivent être proposées dans cette mission. Ce qui fait de cette œuvre quelque chose d'intemporel.
Est-ce que c'est possible que dans cette vie, on termine notre mission et qu'on puisse en commencer une autre pour la prochaine ? Non, justement, en principe, c'est vers la cinquantaine, si on suit un processus normal, vers la cinquantaine, on devrait être dans notre mission. C'est-à-dire qu'on a tout posé et on a juste à être l'incarnation parfaite de notre mission de vie. C'est-à-dire, tu viens pour accomplir quelque chose. Tout au long de ta vie, tu vas mettre des choses en place, c'est ce qu'on appelle la mission de vie. On parle souvent mission de l'âme, mission de vie. La mission de vie, c'est justement tout ce parcours où tu dois ramener tous les éléments pour être en mesure de réaliser ce qui doit être fait. Donc ça, c'est ta mission de vie. Mais en réalité, à partir de 50 ans, tu devrais déjà avoir posé les prémices ou avoir comme construit une nouvelle maison où là, tu es dans la réalisation de ta mission d'âme jusqu'à la fin. En principe, alors il y en a qui y arrivent, et il y en a c'est plus tard, et il y en a c'est juste à la fin de leur vie, puis il y en a, ben, ils ne le connaîtront pas. Mais si tu prends le processus naturel, c'est vers la cinquantaine que tu, en principe, arrêtes ta partie créative, en fait, ta partie sur la terre, à mettre tout en place, à organiser ta vie. Tu as 50 ans pour le faire. Et la deuxième partie de ta vie, c'est pour vivre avec ton âme, et donc dans ta mission d'âme. En principe, c'est le cycle. Est-ce que c'est important de développer ce qu'on appelle le sixième sens ? Le sixième sens est le sens qui doit être développé pour pouvoir passer à l'étape suivante de ce qui est prévu pour l'humanité. Le sixième sens va être un sens qui va permettre justement de sortir du programme de l'être humain. Pourquoi ? Parce que le sixième sens est un sens qui est lié à un assemblage des cinq sens, bien sûr, on retrouve des choses dedans, mais il a cette vocation qu'il est capable de lire les choses en dehors de la forme. Que ce soit en lecture, je dis, ça peut être intuitif, ça peut être visuel, la vision supérieure, ça peut être auditif. Ce que je veux arriver à dire, c'est que le sixième sens va être ce qui va permettre de voir en dehors de la forme, en dehors des codes, c'est-à-dire que tu vas être libre de ta propre vision sans filtre. Et donc le sixième sens est déjà à l'intérieur de nous. Certains êtres déjà sur la Terre aujourd'hui l'ont développé. Mais ce qui est important, c'est que ce sixième sens, quelque part, est l'outil ou l'organe à l'intérieur de toi indispensable pour pouvoir avoir un lien avec un monde supérieur et des mondes subtils en dehors de ce programme type que nous avons en arrivant sur la Terre, qui est une façon de regarder les choses, une façon de penser, en fait une façon d'exister sur la Terre. Et le sixième sens, ça va te rendre libre de tout cela. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas vivre sur la Terre, puisque la mémoire sera là à l'intérieur de toi, mais tu auras ce sens, ce sixième sens, où tu pourras tisser le langage directement avec les mondes subtils, et peut-être en fonction de ton chemin, avec des mondes supérieurs. Et ce sixième sens va être l'omnivoyance, l'omni-clairvoyance, la clairaudience, et toutes ces facultés qui montrent que tu es capable d'utiliser justement tes cinq sens sans filtre, sans intermédiaire, c'est-à-dire remettre vraiment leur sens dans leur fonctionnalité initiale. Est-ce que cette capacité d'intuition, ce sixième sens, est le même chez l'homme et chez la femme? Quand tu comprends ce qu'est le sixième sens, tu vois que c'est beaucoup lié à l'intuition, à l'empathie, à quelque part un langage subtil avec justement tout ce qui est subtil autour de toi. Et c'est vrai que la femme porte plus naturellement ses qualités parce qu'elle a ce côté où elle est beaucoup plus animiste. Elle a véritablement un organe intérieur qui ne va pas être lié essentiellement au concret,
à la matière comme l'homme, lui, est beaucoup plus à l'aise avec ces choses. D'ailleurs, un homme souvent te dira, ne me dis pas de choses subliminales, dis-moi les choses telles qu'elles sont, parce qu'il ne... Il comprend beaucoup moins ce langage-là. Ça ne fait pas de lui un homme inférieur. Non, ce sont des façons de fonctionner. Et c'est vrai que la femme a presque naturellement toutes les dispositions pour éveiller ce sixième sens. Et tu vois, j'aurais presque tendance à dire, si je peux me permettre, que pourquoi aujourd'hui la mère apparaît ? Elle a toujours existé. Okay, mais elle n'avait pas de langage, elle n'avait pas de quoi s'exprimer, elle n'avait pas d'accueil dans nos vies. Aujourd'hui, les êtres sont prêts à accueillir le langage de la mère. Le principe féminin se lève. Est-ce que ça voudrait dire peut-être que ce que la femme, bien sûr, dans son côté divin, dans son côté beau, dans son côté essentiel, va incarner, est-ce que peut-être... C'est ce champ de vie naturel qu'elle va créer pour permettre l'ouverture, l'activation de ce sixième sens. Et bien profondément, je pense qu'il n'y a pas rien sans rien. Je pense que si ça n'a pas pu se faire avant, c'est qu'il y a une raison. Et si aujourd'hui le principe féminin doit se mettre en action, doit s'exprimer, doit agir autant que l'homme le faisait, eh bien, peut-être que vous voyez, c'est le signe ou l'approche nécessaire de développer ce sens pour passer à une autre étape est presque demandée, est presque mis au goût du jour pour que nous allions dans ce sens-là. Et c'est vrai que si la femme s'exprime dans son rayonnement, dans ce qu'elle est, elle va inévitablement amener une guérison subtile, parce que c'est sa vocation initiale. Est-ce que ça veut dire profondément que le sixième sens, c'est plus les femmes que les hommes ? Non, tout comme les cinq sens, c'est pas plus les hommes que les femmes. C'est un organe qui est à l'intérieur de nous et qui doit être développé. C'est vrai que le développer est en apparence beaucoup plus près de ce qu'est une femme dans son rayonnement, dans son action, qu'un homme. Mais un homme peut tout autant développer, pareil que la femme, au même degré que la femme, va développer, voilà, une clairaudience, une clairvoyance, une sensibilité, une empathie, tu vois, tout ce qui est finalement subtil à l'intérieur. Peut-être que l'homme va devoir plus travailler sur sa délicatesse, finalement son principe féminin à l'intérieur, pour le développer, certes, c'est sûr. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le monde, si tu regardes, les hommes aujourd'hui sont beaucoup moins hommes de Cro-Magnon ou bûcherons dans la forêt qu'il y a peu de temps, finalement. Ils sont beaucoup moins compacts, beaucoup moins bruts, ils sont beaucoup plus sensibles à l'écoute de l'autre, participant à des choses auxquelles avant ça lui passait au-dessus de la tête, une empathie, un respect de la femme, en fait une sensibilité féminine qui est en train de se développer naturellement chez l'homme. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi cette sensibilité ? Pourquoi ce sens de l'empathie vers l'autre ? Pourquoi ce sens de l'écoute, de l'ouverture ? Vous voyez, je pense que tout ça a profondément un sens. Et si on revient sur le thème du sixième sens, je pense que si on écoute ce que les lois de la vie sont en train de nous offrir sur un plateau, eh bien, c'est ce que nous sommes en train de réaliser. Je suis certaine que ce que je vais vous proposer dans l'école d'Isis va être justement la reprise en main de votre vie, de vos mécanismes, pour justement développer encore plus les choses en vous, pour avoir un côté clairaudient, clairvoyant, subtil, sensible, animiste finalement, naturel, j'aurais tendance à dire. Donc, la femme, ce n'est pas elle forcément qui portera ce sixième sens. L'homme et la femme, ça fait partie
de leur chemin de vie. Simplement, la femme, en apparence, a plus de prédisposition et de naturel à développer ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle y arrivera plus facilement. Parce que des fois, quand on a les choses, eh bien, on pense que c'est plus facile et on s'habitue à ces choses. Et même des fois, elles peuvent nous enfermer, alors que d'autres apprennent, développent et partent sur des bonnes bases. Et des fois, c'est plus facile. Donc, le sixième sens fait partie des éléments que je vais fournir à travers l'école d'Isis pour justement vous mettre en action, pour développer, donner l'opportunité, étendre, expandre ce que vous avez à l'intérieur de vous. Lorsqu'on fait ce travail individuel de développement du sixième sens, est-ce que finalement on participe à construire le sixième sens de l'être humain de demain ? Aujourd'hui, nos enfants, quand ils prennent un ordinateur ou une tablette, un téléphone, en quelques instants, ils savent. Pourquoi ? Parce que nous, notre génération, nous avons appris, nous avons formé notre mental, nos cellules, nous avons éduquer notre cerveau et notre corps à fonctionner avec cet outil. Et tu vois, ce capital, il a été transmis directement à nos enfants. Ce qui fait que tout est prêt à fonctionner. Il y a juste à le mettre en action. Lorsque nous développons nos sens d'une façon supérieure et subtile, nous transmettons bien sûr à notre descendance, mais aussi par notre champ de vie à l'humanité. Ce qui fait que naturellement, pourquoi aujourd'hui les hommes ont plus de sensibilité, c'est parce qu'ils bénéficient du travail qui a été fait justement par les hommes qui étaient dans cette conscience qu'il y avait une divinité à l'intérieur d'eux et ainsi de suite. Ceux qui travaillent actuellement pour ennoblir notre capital intérieur fait évoluer l'humanité dans une orientation, une possibilité, une réalité que cela existe. Et à ce moment-là, c'est écrit. Et quand les êtres font la démarche de retrouver intuitivement dans les mondes subtils ce qui existe déjà sur ce sujet, alors ils peuvent bénéficier de ce qu'ont fait les autres avant. Et si nous développons le sixième sens, si nous amenons les clés réelles que nous pouvons pratiquer dans notre vie, que nous pouvons transmettre comme un chemin pour développer le sixième sens, c'est évident que demain, ça deviendra un sujet important, alors qu'aujourd'hui, c'est un sujet dit, mais comme assez abstrait, et comme est-ce que c'est vrai que c'est possible ? Eh bien, oui, c'est vrai, et c'est même obligatoire. Quand tu dois passer la prochaine étape de l'humanité, tu dois arriver avec ce sixième sens. Parce que tu vois, je vais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas comment va être ce passage de cette nouvelle humanité. Et quand on regarde le passé, il ne restait plus rien. Ça veut dire pas de quoi avoir de repères pour fonctionner. Si on regarde le passé, si demain c'est le même processus, ça veut dire que les hommes et les femmes qui vont réussir à passer ce monde-là, toutes les bases sur lesquelles ils étaient programmés, construits, où ils savaient vivre, ils ne les auront plus. Comment vont-ils faire pour être certains que les choix, la vision intérieure qu'ils ont est juste ? Eh bien, ce sera ce sixième sens qui permettra d'avoir une connexion directe avec les lois universelles de la vie. Et à ce moment-là, l'humanité pourra de nouveau être construite, remise en place avec des valeurs et une mémoire du passé pour ceux qui l'auront gardé, avec ceux qui avaient le sixième sens. Cette école d'Isis va ouvrir au début du mois d'octobre de cette année. Je t'invite à cliquer sur le lien pour recevoir la mini-formation gratuite qui va te permettre de découvrir finalement le programme de cette école d'Isis. En tout cas, je vous accueille tous pour partager ce beau chemin et de, ensemble, construire ce nouveau monde.